Bonjour à tous, bienvenue au Musée de la Romanité. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir pour la seconde fois Violaine Sébillotte-Cuchet dans le cadre du programme Place des Femmes. Donc, Violaine qui est professeure d'histoire ancienne à l'Université Panthéon-Sorbonne. Et je vais essayer de le dire bien, donc membre au CNRS, donc je vais lire, pardon, au Conseil scientifique de l'Institut du genre. Voilà. L'objet de la conférence de cet après-midi, donc, c'est une présentation du parcours de la reine amirale Artémis, qui a gouverné la cité d'Halicarnasse, et au travers de ce parcours, de voir la pluralité du champ des possibles offert aux femmes grecques dans l'Antiquité, selon les cités où elles vivaient. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Bon. Donc, on vous propose donc de poser les questions à la fin de la conférence. On aura la possibilité aussi de faire des dédicaces d'ouvrages au niveau de la boutique éphémère qu'on a positionnée. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite une agréable conférence. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et je suis ravie de revenir ici. C'était très sympa la dernière fois. Donc je vais vous. La dernière fois, j'étais venue présenter. Vous l'avez pas dit, mais j'ai venu présenter une conférence sur la place des femmes dans l'Antiquité grecque. Et là, je profite de la sortie de ce livre pour vous présenter en fait une héroïne, on peut dire, hein, un personnage vraiment très impressionnant. Vous allez voir qui est. À l'origine de mon envie d'aller découvrir davantage ce qui était possible pour les femmes plus ordinaires dans l'Antiquité. Je suis partie d'un personnage d'abord, ce personnage-là qui est un personnage donc, qui a vécu et qui est rentré dans l'histoire avec un grand H en 480 avant Jésus-Christ, au moment de la bataille de Salamine. Je vous expliquais, bien sûr. Là, juste, j'introduis. Et elle est rentrée dans l'histoire à ce moment-là. Elle a peu à peu disparu en fait de la mémoire commune, et donc dans l'historiographie, elle n'a pas été étudiée réellement tant que l'histoire des femmes n'a pas fait sa place et ne s'est pas donné pour objet justement de s'interroger sur la place des femmes dans les sociétés anciennes en particulier. Et donc c'est dans les années 70 du XXe siècle qu'avec ce mouvement d'histoire des femmes, peu à peu, donc, ben, tous les personnages qui étaient malgré tout dans les textes de l'Antiquité ont été pris au sérieux. Et là, c'est le cas pour Artémis. Moi, j'ai voulu la prendre au sérieux et me dire, ben, finalement, qu'est-ce que ça nous dit de ce qui était possible pour elle et pour les autres femmes de son époque et quel regard était porté sur l'action d'une telle femme. Alors, bon, là, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, la source principale qui nous informe sur Artémise avec un E, à ne pas confondre avec la déesse, Artémis, là, on est bien une femme, Artémise. La source principale, donc, c'est Hérodote, donc, avec un buste ici donc, de l'époque romaine, mais qui copie un original grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Hérodote, qui est un historien, qui écrit, qui est né probablement vers 485 avant Jésus-Christ, mort vers 420, tout ça c'est à peu près, et qui écrit ses histoires, qu'on appelle aussi l'enquête, dans les années 430. D'accord ? Et le monde d'Hérodote, sur la carte ici, voilà, c'est le bassin méditerranéen, surtout la partie nord du bassin méditerranéen et surtout la partie égéenne, bien sûr. Et ce monde d'Hérodote, en rouge, tous ces petits carrés rouges, ce sont les fondations grecques. Donc les cités fondées par les Grecs à partir du 8e et surtout du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui se trouvent, vous le voyez, sur le littoral, d'où pour Platon l'idée que les Grecs sont répandus autour de la Méditerranée comme des grenouilles autour d'une mare. C'est ça l'image. Et en jaune, ce sont pour le coup les Phéniciens, hein, qui deviennent ici les Carthaginois, vous le savez, hein, en Afrique du Nord. Et puis, on ne voit pas très bien, mais en bleu-gris, par ici, les Étrusques. Là, on a des populations qui vivent en cité et qui se partagent un peu ce littoral et le commerce, on en parlait, avec la position sur le littoral des Grecs qui permet ensuite de rentrer à l'intérieur des terres. Alors, Hérodote, il vient de cette cité Halicarnasse qui se trouve en Asie mineure, ce qu'on appelle l'Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Il vient de là, et je dis le monde d'Hérodote parce qu'il est passé à Athènes, ici, où se trouve le point rouge, et puis il est mort à Tourioi, en Italie du Sud. C'est un voyageur.
C'est un grand voyageur. Il a été en mer Noire, il a été en Égypte. Il connaît très bien la Sicile et l'Italie du Sud, qu'il décrit très bien, etc. Donc, il est vraiment un enquêteur de l'ensemble du monde grec. Et qu'il vienne d'Halicarnasse nous intéresse tout particulièrement, parce qu'Halicarnasse, c'est également la cité d'Artémise. Artémise est une femme d'Halicarnasse. Elle dirige la cité d'Halicarnasse juste avant la naissance d'Hérodote, ou au moment de la naissance d'Hérodote, d'ailleurs, peut-être encore, puisqu'elle se fait connaître en 480 avant Jésus-Christ, à la bataille de Salamine. Hérodote naît peut-être 5 ans avant, 485, souvent c'est ce qu'on dit. Donc voilà, il naît une génération après elle, dans la même cité. Et donc, il ne va pas raconter n'importe quoi, vous imaginez bien, ni à ses compatriotes d'Halicarnasse, ni à ses auditeurs à Athènes, à Olympie, à Thèbes. Il circule partout, hein, il raconte ses histoires. Et donc, il insère dans ses récits l'histoire, la petite histoire, pour le coup, d'Artémise qu'il connaît bien et dont les auditeurs d'Hérodote peuvent entendre ou savoir en tout cas qu'elle a bel et bien existé. Alors, je vous ai mis cette carte pour vous montrer aussi un autre aspect très important de ce monde grec de l'époque d'Hérodote. Non seulement, vous voyez, il est très large autour de la Méditerranée, mais par ailleurs, ici, dans toutes ces couleurs grises, ce sont les populations hellénophones, ce sont les Grecs, ce qu'on appelle les Grecs, qui parlent grec. Mais vous pouvez remarquer donc des couleurs différentes qui distinguent des dialectes. Et le dialecte parlé par Hérodote à Halicarnasse, dans cette région en gris clair, Halicarnasse est ici, c'est le dialecte qu'on appelle dorien. Dorien, qui est le même qui est parlé dans le Péloponnèse, sauf le centre, l'Arcadie, mais dans la région de Sparte, ici, le Péloponnèse, et en Grèce du Nord-Ouest. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, aussi, aux yeux d'autres populations, par exemple les gens d'Athènes, ici en rouge, hein, on est à Athènes, ou de l'Ionie, qui est ici, de la côte ionienne, là, on parle le dialecte ionien. On est toujours chez des Grecs. Mais donc, à l'intérieur du monde grec, il y a des distinctions linguistiques, hein, dialectales, si on peut dire plutôt, dialectales, qui font que Artémise, elle peut paraître aussi un peu étrangère pour des Athéniens. Néanmoins, elle est grecque autant qu'Hérodote, le père de l'histoire. Ils viennent de la même cité. Ce qu'on appelle le père de l'histoire, personne ne dit qu'il n'est pas grec. Voilà. Artémise, elle vient de cette région, d'une cité grecque, elle est grecque comme Hérodote. Et là, donc, je vous ai mis Athènes parce que c'est la cité, une autre cité très importante dans l'histoire d'Artémise. Par ailleurs, le monde d'Hérodote, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est également, vous voyez, on s'est déporté complètement vers l'Est. Le monde d'Hérodote, c'est aussi l'Empire perse qui s'étend de l'Indus jusqu'à la Thrace, la côte de la mer Noire, donc en Europe. L'Asie mineure, on l'a dit, avec la cité d'Halicarnasse, hein, tous les Grecs qui habitent sur la côte turque, ils sont inclus dans l'Empire perse. Et puis l'Égypte également. Donc depuis le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, qui venait donc de la région de Persépolis, hein, ici de Perse, a conquis l'empire autrefois le royaume Mède, et désormais c'est donc l'empire perse, les Achéménides, et après Cyrus, donc Darius, le grand roi, a étendu l'empire avec Cambyse, avec l'Égypte, et à l'époque d'Artémise et d'Hérodote, donc à l'époque d'Artémise, surtout en 480, c'est Xerxès qui est le grand roi, connu dans la Bible, Achuérus, le livre d'Esther. Donc c'est lui le grand roi qui règne sur cet immense empire qui domine en fait des populations de langues différentes, de traditions différentes, d'organisations politiques différentes. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois des petits royaumes, donc des régimes dynastiques, mais également des cités sur la côte turque. On va trouver Éphèse, Milet, etc. Donc des cités grecques qui sont incluses dans l'Empire perse et qui doivent soumission à l'Empire perse. Voilà le cadre général. Donc vous voyez, on a là les acteurs principaux de ce qui va se passer ensuite pour l'histoire d'Artémise, c'est les guerres médiques. Alors, en orange, donc l'Empire perse. Et puis, ensuite, je ne rentre pas dans les légendes, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est l'Empire perse.
en orange. Vous voyez la cité d'Halicarnasse ici, cité d'Hérodote et d'Artémise. Toutes les autres cités grecques, hein, Smyrne, Perga, Massos, Ilion, Lesbos, les îles, Éphèse, Samos, Milet, cités grecques, qui sont sous la domination perse, qui sont donc englobées dans les forces perses, impériales perses. Sauf certaines cités qui ont décidé de résister, qui n'ont pas souhaité, qui n'ont pas souhaité s'engager du côté du grand roi. Alors s'engager pourquoi ? Parce que la deuxième guerre médique qui nous intéresse, la première en fait, 490, c'est une expédition dirigée contre Athènes. Je vous passe les détails parce que là je vais rentrer dans l'histoire qui avait secouru des cités grecques qui voulaient se révolter contre le grand roi, notamment la cité de Milet, vous voyez, 494 avant. Et du coup, le grand roi Darius, à l'époque, avait envoyé une expédition contre Athènes et contre l'île de Bé, et les Athéniens, de façon absolument extraordinaire, miraculeuse, parce qu'il faut dire, ont réussi à repousser l'armée de Darius et à l'emporter. C'est la bataille de Marathon, très connue, en 490. Ensuite, 10 ans, il ne se passe plus rien. Et puis Xerxès, le fils de Darius, arrive au pouvoir vers 485, à la mort de Darius. Et lui, il décide de mener une grande expédition, mais cette fois-ci de conquête des terres. Donc on est totalement à l'ouest de son empire ici, hein, on est vraiment sur la marge occidentale de son empire. Il a déjà la région de la Thrace, on l'a vu, et autour de la mer Noire, hein, plus haut même. Et il cherche à étendre son empire. Et donc, il envoie une double expédition, navale et terrestre, donc terrestre par la terre ici, navale par les îles, qui descend vers le sud et qui est arrêtée aux Thermopyles en 480, en tout cas arrêtée, non freinée, on pourrait dire, en 480 à la bataille des Thermopyles et en même temps 480 à la bataille du Cap Artémision pour la flotte. Donc la descente, flotte plus armée de terre, au même moment, il y a ce petit verrou, petit parce qu'il va sauter. Les Grecs n'arrivent pas à retarder, à arrêter en tout cas la descente des Perses. Les Thermopyles, c'est la victoire, c'est la victoire des Perses, mais c'est une démonstration de l'héroïsme des Spartiates. Peut-être que ça vous dit quelque chose, hein, le roi Léonidas qui accepte que qui laisse sa troupe en fait retarder l'avancée et qui sait c'est une sorte de suicide collectif en fait. Hein, ils savent qu'ils vont se faire qu'ils n'ont aucune chance, mais pour retarder la descente. Et la bataille du Cap Artémision, ici, où la flotte, finalement, c'est indécis. Et du coup, l'armée perse descend jusqu'en Attique. Voilà, jusqu'ici en Attique. Et là, ravage totalement le territoire d'Athènes. L'acropole brûle, les sanctuaires, c'est terrifiant. Et les Athéniens qui s'étaient coalisés avec les États grecs coalisés, vous voyez en bleu, pas tous les Grecs, pas toutes les cités grecques. Ces cités décident, grâce aux Athéniens qui veulent absolument protéger, ou en tout cas retrouver l'Attique qui a été envahie par les Perses, décident de se poster leur flotte à Salamine et d'attendre les Perses, la flotte perse, et de la combattre à Salamine, juste devant Athènes. Les Spartiates, eux, pensent qu'il est plus sage de les se replier dans le Péloponnèse et de fermer ce verrou-là au niveau de l'isthme de Corinthe. D'accord ? Voilà le tableau. C'est un peu long, mais il fallait quand même que je vous donne un peu ce tableau général avant d'arriver à l'entrée en scène d'Artémise. Voilà. Donc, on est dans la Deuxième Guerre médique. On a des États grecs, des cités grecques coalisées autour d'Athènes principalement et de Sparte. Mais pour la bataille qui nous occupe, devant Salamine, ici, l'île de Salamine est ici, en 480, qui est vraiment une bataille qui est menée par les Athéniens avec une tactique athénienne et dont la victoire, c'est une victoire des Grecs, une victoire athénienne, est apportée au crédit des Athéniens, de la ruse des Athéniens, de leur stratégie, et donc de Thémistocle, donc les grands hommes. Et en face, donc, la flotte avec cette espèce de flotte hétéroclite, avec des gens qui viennent de partout, des Phéniciens, des Égyptiens, des Perses, des Sidoniens, des gens de Lydie, du sud de l'Asie mineure, et une petite flotte qui vient d'Halicarnasse et des îles que la cité d'Halicarnasse domine, donc Kos, Kalymnos, Nisiros, donc une petite flotte de 5 vaisseaux. C'est pas très gros, mais c'est quand même une petite flotte qui est érigée
par Artémise. Alors, ce qui est absolument... je vous mets quand même la photo prise d'avion de l'îlot de Salamine. Alors, c'est aujourd'hui, hein, donc toutes les habitations, évidemment, c'est très, très moderne. Et là, vous avez l'Attique, hein, le bord de l'Attique, du territoire d'Athènes. Et vous voyez, je vous l'ai montré pour vous montrer le découpage, en fait, de la côte, les détroits et le moyen de cacher les navires derrière des petits éperons de terre. Et donc, il y a cet effet de surprise qui va avoir lieu à Salamine, où les Athéniens, qui dirigent la flotte grecque, se cachent derrière ces éperons, voilà, dans les petits détroits. Et là, c'est le plus large détroit. La flotte perse qui arrive du large, qui est très, très imposante, qui a beaucoup de vaisseaux, mais qui ne va pas pouvoir manœuvrer et qui va être coincée par cette tactique de resserrer, finalement, le champ de bataille sur la mer. Alors, je vous ai mis ici une citation d'Eschyle. Eschyle, il écrit cette tragédie, les Perses, en 472. La bataille, elle a lieu en 480. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste après, 8 ans après. 8 ans après, il met en scène cette tragédie pour les Perses, pas pour les Athéniens, puisque c'est une défaite des Perses, une grande victoire navale des Grecs, et qui est restée extrêmement célèbre, cette bataille. C'est pour ça aussi que je vous le cite, cette bataille de Salamine, parce que c'est le moment où les Athéniens, ces petits Athéniens de rien du tout, ont réussi à repousser les Perses, et avec ce texte d'Eschyle, « Allez, enfants des Grecs, libérez la patrie, libérez vos enfants et vos femmes, les sanctuaires des dieux de vos pères et les tombeaux de vos aïeux, c'est la lutte suprême. » Donc, vous voyez, qui fait écho, hein, bien sûr, chez nous, ensuite, à toute une tradition de l'international, marseillaise, internationale, etc., des chants de guerre et des chants patriotiques, qui prennent source dans cette histoire-là, dans ce moment-là, mis en scène par Eschyle, donc à Athènes, 8 ans après la bataille de Salamine. D'accord ? Et donc, j'insiste un peu, vous voyez, sur cette... environnement et sur l'enjeu de cette guerre, parce que ce qui est très intéressant et très amusant, c'est que Hérodote, quand il en arrive, il écrit l'histoire des guerres médiques, de cette lutte entre ce qu'il appelle les Grecs et les barbares. Il les appelle les Grecs et les barbares, et vous avez bien compris maintenant qu'il s'agit de certains Grecs contre un empire totalement hétéroclite, les Grecs et les barbares. Quand il décrit Salamine, au lieu de parler de Thémistocle, de la ruse, de la manière dont la stratégie, il en parle un tout petit peu, mais pas beaucoup, et il s'arrête sur Artémise. Et il explique qu'il est absolument époustouflé. Il dit, voilà, je dois dire que je ne vais pas parler de tout le monde, mais je vais m'arrêter sur Artémise, parce qu'Artémise, elle qui, bien que femme, était à la tête donc, de la cité d'Halicarnasse, était à la tête d'une flotte de 5 vaisseaux, qui étaient les réputés les meilleurs après ceux de Sidon, donc en Phénicie, réputés meilleurs vaisseaux, meilleures flottes, et qui a accompli un acte absolument héroïque, je ne sais pas très bien comment le qualifier, héroïque peut-être, il faudra le qualifier comme ça, vous me direz, je vais vous raconter, dans cette passe. Pourquoi ? Parce que Artémise était poursuivie par les vaisseaux athéniens, les vaisseaux grecs. Il faut voir que les bateaux s'entrechoquaient, c'est quand même très étroit, que c'était la mêlée, que les corps tombaient à l'eau, etc. Et que Artémise était poursuivie de très près, elle était coincée en réalité. Et c'est là que, dit Hérodote, elle a fait soudain faire volte-face à son navire et elle est allée frapper, éperonner un navire qui était un navire allié de son propre camp, qui est aussitôt coulé au fond de l'eau. Et donc ses poursuivants se sont dit que elle est de notre côté. Elle est de notre côté, et donc ils ont abandonné la poursuite. Elle a sauvé sa vie. Et sur le bord de la côte, où se trouvait le roi Xerxès, qui regardait tout ça, il s'est dit, Artémise a accompli un exploit, elle a coulé un vaisseau grec, athénien. Voilà, donc en fait, mêlée, confusion, et c'est ce que raconte Hérodote. Et après ça, c'est fini, il passe à autre chose, on n'en sait plus grand-chose, si on sait un petit peu ce qui va se passer pour Artémise, elle reste un petit peu et puis elle va repartir, mais elle gagne encore plus d'estime que ce qu'elle avait déjà auprès du grand roi, déjà elle le conseillait, elle lui donnait des conseils, elle faisait partie du cercle étroit de ses conseillers,
Et là, elle a manifesté une sorte de courage, de sang-froid, de bravoure, je ne sais pas comment il faut le dire. Et surtout, elle a sauvé sa peau de manière très rusée et héroïque au sens où elle agit pour elle-même, hein, comme si elle était aidée et guidée par les dieux, comme les héros de l'épopée. Et Hérodote, il écrit aussi pour parler à un public, pour leur raconter des belles histoires, pour les faire un peu rêver. Et donc, ce qu'il raconte sur ce petit épisode de Salamine, on peut se poser quand même des questions sur ce qui s'est vraiment passé dans les autres Salamines pour Artémise, si elle a vraiment fait ce qu'il décrit. Mais finalement, personne ne peut le vérifier, comme le dit Hérodote, et ce n'est pas non plus ce qui m'a intéressée. Parce que ce qui m'a intéressée, c'était plutôt le fait qu'il décrive cette femme qui faisait partie de l'armée de Xerxès, qui était à la tête d'une flottille, qui était proche du roi, comme les plus proches de des chefs des contingents de l'armée perse, et qui avait donc assez d'autorité et de crédit auprès du grand roi pour gagner, enfin pour être très estimé de lui. Alors là, je vous ai mis un petit peu. Après, l'enquête pour moi, c'est d'aller me dire est-ce qu'il y a d'autres traces d'Artémise ? Est-ce que c'était vraiment possible ? Et si c'était vraiment possible, est-ce que c'était possible pour elle, mais peut-être pour d'autres aussi, pour d'autres femmes ? Donc, à partir de cet épisode, c'était d'aller voir, faire l'enquête sur Halicarnasse, ce monde-là, qui avait rendu sa présence possible, en tout cas, dans l'armée de Xerxès, et sur les autres. Alors bon, ça, je vous ai mis quelques images donc de navires de guerre ici, par exemple. Donc on voit manœuvrer avec voile et rameur l'éperon qu'on voit dépasser ici, le ross. Donc là, il va attaquer un vaisseau un peu plus rond, un vaisseau marchand. Mais c'est bien un vaisseau de guerre ou un vaisseau pirate. C'est pas très différent en réalité. Et ici, donc, on a un bloc, un relief qui vient d'Athènes, hein, du 5e siècle, où on voit bien le système des trières, les trois rangées de rameurs superposées qui ont permis de reconstituer ici un navire, une trière. La mer, donc, il faut manœuvrer, et c'est une mer qui est très dangereuse, en raison des vents, en raison des courants, en raison de en raison aussi, surtout, des pirates. De tout ce qu'on peut rencontrer sur la mer. Et là, on a aussi des vases comme celui-ci qui est trouvé en Italie du Sud, qui nous montrent les naufrages. Alors là, c'est le dessin de celui-ci. Le vaisseau est à l'envers. Et vous voyez les corps allongés au fond de la mer avec les poissons, pour qu'ils soient ensemble. Et celui-ci qui se fait manger par un gros poisson. Voilà. ça nous ramène quand même un petit peu dans cette ambiance de ce que c'était que prendre la mer. C'est pas n'importe quoi, et il faut la technique, il faut du courage pour prendre la mer. Donc ça, c'est toutes ces choses qui font partie de l'univers imaginaire et pas qu'imaginaire, du quotidien de ces Grecs, et notamment donc d'Hérodote quand il raconte cette histoire et de son auditoire. Alors Artémise, donc c'est une femme puissante. Alors non, ce n'est pas Artémise que vous voyez sur la diapositive. Hein, elle est belle, cette statue, je peux dire cette femme, cette statue. Ce n'est pas Artémise. On l'appelle Ada. On l'appelle Ada, mais peut-être que ce n'est absolument pas Ada non plus. Mais disons que cette tête est attribuée à Ada, qui est une femme qui a vécu aussi à Halicarnasse, mais un siècle plus tard qu'Artémise, qui a été aussi reine d'Halicarnasse, mais un siècle plus tard. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même la mettre, hein, c'est quand même une parenté. Voilà, je ne vais pas chercher des parentés génétiques, mais en tout cas, et ça donne un peu un exemple aussi de ces femmes qui étaient au pouvoir à Halicarnasse. Alors, Hérodote, je vous ai mis ici une citation. Au moment où il présente Artémise, il le dit quand même, des autres officiers, je ne fais pas mention, ne m'y sentant pas obligé, déjà il nomme beaucoup de personnes, mais je fais une exception pour Artémise. Donc, ce qui m'intéressait, alors Artémise, elle est ce qu'on appelle taxiarque. Taxiarque, ça veut dire qu'elle est chef de contingent. Dans l'armée, il y a les quatre grands commandants suprêmes de l'armée de Xerxès. En dessous, il y a les 10 amiraux de la flotte. Et en dessous, les taxiarques. C'est son rang à elle. Elle est taxiarque, donc elle est chef d'un petit contingent de la flotte. Et ce qui m'intéressait, c'est justement dans cette phrase d'Hérodote,
Je fais une exception pour Artémise. Ah, j'ai coupé, j'aurais dû rajouter la suite, parce qu'il dit qu'il l'admire fort. Il l'admire fort. Je fais une exception pour Artémise que j'admire fort. Donc, ce qui m'intéressait, c'était non seulement de travailler sur, enquêter sur cette Artémise, hein, l'historicité, qu'elle a vraiment vécue, à quel moment, comment, etc. Mais aussi, et ça m'a mené plus loin, le regard qui était porté sur elle par ses contemporains. Hérodote l'admire fort. Les Athéniens ont mis sa capture à prix. Pas simplement, parce qu'avant Salamine, elle était déjà connue, elle était intervenue à la bataille de l'Artémisione. Je vous avais dit, hein, au début, en 480, il y avait d'abord une première bataille navale. Et là, Hérodote rappelle à un moment de son histoire que Artémis était déjà connue par l'Artémisione. Donc là, ce qui m'intéresse, c'était à la fois ses regards donc contradictoires portés sur elle. Les Athéniens veulent sa capture, ok, mais pas parce que c'est une ennemie, ils ne veulent pas la capture de tous les ennemis, c'est parce que c'est une femme qui combat. Et ça, c'est inadmissible à leurs yeux. Hérodote, il l'admire. Les conseils Xerxès, il travaille avec elle. Il l'estime. Et parmi les conseillers de Xerxès, certains sont jaloux d'elle, parce qu'elle est quand même très proche du grand roi. Donc ils sont jaloux comme des rivaux. Et d'autres, au contraire, l'estiment fort et l'admirent. Donc en fait, tous les types de regards sont possibles sur cette femme. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Donc, vous voyez, je vous ai mis admiration, moquerie, sarcasme, réprobation, haine, indifférence. On trouve de tout. Donc, j'ai fait l'enquête sur toutes les sources qui nous donnent des éléments, des renseignements sur Artémise, après Hérodote. Et donc, dans Hérodote, on voit les personnages hein, qui émettent des jugements sur elle ou qui en parlent, tout simplement, de façon, je vous ai dit, assez contrastée, mais Xerxès et son entourage plutôt laudatif. Aristophane, qui est plutôt sarcastique, qui se moque, mais quand il se moque d'Artémise, il se moque aussi des hommes, des Athéniens qui se sont fait battre, qui ont été eus en fait par la ruse d'Artémise. Donc en fait, on ne sait jamais très bien en fait si le rire il est dirigé vers Artémise ou dirigé vers les Athéniens qui ont échoué à l'attraper alors qu'elle était à deux doigts de voilà, ils étaient vraiment près de la voir et puis ils ont échoué. Les Spartiates, qui, eux, on le sait par Pausanias, ont édifié, alors à quel moment, c'est un peu difficile à le savoir, ont édifié un grand portique sur l'Agora, dont les colonnes étaient réalisées par des statues, donc c'était une sorte de cariatide, hein, des grandes statues, des statues qui représentaient les chefs de l'armée de Xerxès. Donc les vaincus, mais aussi des chefs pour montrer, alors c'était des très grands, pour montrer la valeur hein, de ses ennemis, que les armées spartiates avaient réussi à combattre pendant la Seconde Guerre médique. Et parmi ces chefs, on trouvait aussi Artémise. Donc elle avait sa place dans la galerie des chefs. Donc là, elle était considérée comme une chef et pas comme une femme ou pas que comme une femme. Après, on a un autre traité qui fait allusion à un autre combat auquel Artémise a participé, même plus que participé, en tant que chef de la cité d'Halicarnasse, elle a conquis le territoire de Cos, etc. Donc elle a mené des guerres. On n'est pas tout à fait sûr de l'authenticité de ce traité. Et Plutarque, qui lui dénigre totalement Artémise en disant « Mais enfin, comment peut-on croire une chose pareille ? Hérodote nous dit n'importe quoi. Artémise n'a pas pu prendre la mer comme il le dit. Ce n'est pas possible. Finalement, à la fin, il lui a donné. Il fallait qu'elle s'occupe des enfants de Xerxès. C'est pour ça qu'elle était là. Elle est dans un rôle de mère, de nourrice. Bon, enfin bref. C'est le seul. C'est le seul qui dit ça. Et toutes les autres sources, donc les sources beaucoup plus proches, hein, en tout cas les sources comme Hérodote, Aristophane, qui sont beaucoup plus proches, ne mettent jamais en doute. Ni d'ailleurs Plutarque ne met pas en doute l'existence d'Artémise. Il met en doute l'exploit et la manière dont elle aurait échappé à ses poursuivants athéniens. Voilà, donc moi je suis intéressée par ces regards portés sur elle et je suis aussi intéressée donc, par le fait qu'elle ait pu exister dans ce monde-là qui par ailleurs est très connu pour être un monde, je ne sais pas, peut-être que vous avez ça dans la tête aussi, pour être une antiquité grecque, un monde où les stéréotypes de genre sont très forts, on dit même parfois que l'antiquité elle était particulièrement misogyne, les Athéniens n'en parlons pas, donc on est quand même... On a cette idée dans la tête. Donc, comment est-ce possible quand on est dans ce monde-là ? Hérodote explique, par exemple,
qu'après la défaite, mais ayant vu l'exploit entre guillemets d'Artémis, qui réussit à sauver sa peau et selon lui à couler un navire athénien, ce n'est pas du tout l'interprétation d'Hérodote, il s'exprime en disant « Mes hommes sont devenus des femmes et mes femmes des hommes ». Ben, bonjour, merci. Vous voyez ? Donc voilà, le sexisme ordinaire, si vous voulez, c'est ces phrases-là, bon, ben voilà, les vaincus, c'est des femmelettes, en fait, hein, franchement, elles se comportent comme des femmes, n'ont pas de force, aucune force. Et Artémise, qui a été vraiment une vraie femme, forte, courageuse, c'est un vrai homme, elle. Bon, ça c'est intéressant parce qu'on voit à la fois l'existence de cette rhétorique, maintenant on va dire sexiste, hein, de cette discrimination de genre, ça existe, cette rhétorique-là, elle existe. Et en même temps, le même Hérodote, il peut nous dire ça, les personnages peuvent mettre ça dans leur... Et en même temps, c'est lui qui admire fort Artémise de s'être comportée de cette manière-là. Il la décrit d'ailleurs en lui attribuant une qualité, qui est une qualité qu'on appelle l'Andrea. L'Andrea, ça veut dire le courage, la valeur. C'est une qualité qu'on appelle aussi une qualité héroïque. C'est celle qui qualifie les héros dans l'épopée, l'Andrea, puis les citoyens, etc. Et si vous avez fait du grec, j'en sais rien, vous savez que c'est un terme qui est construit sur le substantif aner, qui veut dire l'homme au sens positif. Hein. C'est une masculinité, l'homme plus, j'ai mis. Plus, le bel homme, le bon homme, le bon citoyen quand c'est en cadre civique, le héros quand on est dans un cadre épique, donc c'est le plus, quoi, celui qui a la bonne masculinité. Eh bien, Artémise, elle est qualifiée avec l'Andrea, et Hérodote, elle était pleine d'Andrea, c'était absolument incroyable, mais il l'admire, il n'y voit pas une transgression, ou un blâme, ou une usurpation, pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire qu'une qualité de positive, de courage, c'est pas de la masculinité, hein, on pourrait dire, hein, puisque ça vient d'un terme qui désigne aussi l'homme. Cette qualité, elle est positive aussi quand elle est démontrée par une femme. Donc vous voyez, ce sont ces contradictions ou ces subtilités à l'intérieur même des sources qui m'intéressaient, qui m'ont intéressée, c'est-à-dire d'essayer de me dire après tout. Alors il y a à la fois des stéréotypes, il y a des injures de genre. Et puis en même temps, il y a des personnages de femmes qui agissent de manière inattendue, de manière pas a priori dans la norme, et qui sont positifs. Alors comment ça c'est possible? Qu'est-ce que ça nous dit en fait du regard que les Grecs portaient sur les femmes? C'est moins simple que ce qu'on peut imaginer au prime abord quand on a simplement lu rapidement à la fois les textes et les historiens. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est à la fois une enquête sur les stéréotypes de genre, c'est-à-dire pour voir depuis quand ces stéréotypes existent, qui les porte, qui les dit, pour montrer aussi quel crédit les Grecs leur donnaient, hein, jusqu'où ça allait, et en même temps pour une enquête sur la fluidité du genre, c'est-à-dire le fait que finalement, bah, on peut avoir des hommes qui ont des caractéristiques qui à un moment sont dites féminines, et qui ne sont pas pour autant dévalorisées, ou des femmes qui ont des caractéristiques qui pourraient être ici masculines, l'Andrea, et qui ne sont pas pour autant dévalorisées. Donc c'est cette fluide, ce qu'on appelle aujourd'hui fluidité, hein, c'est-à-dire ce fait que ces caractéristiques sont dissociées du sexe, hein, qu'on peut être, et que c'est pas dévalorisant, même si on n'est pas dans l'adéquation de ce qu'on attend a priori entre une femme qui serait une vraie femme, comme sur ce vase, voilà, la vraie femme dans la norme, c'est celle qui va avoir un miroir, un vase à parfum, un panier à laine, à l'intérieur de la maison, on voit les colonnes, les portes, qui va se décorer, et qui, avec ses paniers à laine ou à fruits, ses bijoux, et sur ce petit coffre qui est un coffre pour mettre des parfums, des bijoux, a comme héroïne des femmes de la... des mythes grecs, hein, Danaé, Iphigénie, etc., donc des héroïnes positives qui sont données. Ben, il n'y a pas que ça. Et c'est ça que je voulais voir avec Artémise. Hein, qu'on n'est pas que dans ce monde un peu gnangnang, on va dire comme ça, qu'on donnait aux petites filles. Alors, voilà, oui, bon, pour aller encore un tout petit peu plus loin dans les stéréotypes, mais bon, c'était pour vous montrer, parce que je pense que ça, c'est très connu, hein, ça, c'est un...
un texte, un extrait de Xénophon de l'économie qui est extrêmement connu, c'est un traité du IVe siècle où Xénophon explique, voilà, il faut le couple idéal, l'homme idéal, le citoyen idéal, il a une femme idéale, cette femme idéale, elle est épousée très jeune, on lui apprend tout, mais surtout elle va s'occuper de la cuisine, elle va s'occuper de la transformation de la laine des moutons en textile, en manteau, elle va s'occuper de la transformation des céréales en farine, en pain, en galettes. Et tout ça parce que tout simplement, Dieu, la nature en fait, a bien fait les choses et qu'il y a une complémentarité naturelle, j'insiste, entre l'homme et la femme, et que la femme, elle est plus heureuse, elle reste à l'intérieur, l'homme, il est endurant, il n'a pas peur du froid et du soleil, et il est dehors. Donc ça, ce genre de choses, parfois on le prend un peu pour argent comptant, c'est-à-dire quand on travaille sur l'Antiquité, on se dit, les femmes, elles sont à la maison, c'est normal, voilà. L'histoire d'Artémise, elle nous dit tout le contraire. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, c'est une femme qui est une épouse, une mère, elle a des enfants, elle a au moins un enfant. Elle a épousé un homme dont on n'a pas le nom. Hérodote ne nous dit pas le nom de son mari. Et donc, elle entre aussi dans ce mythe qui est, on pourrait dire qu'elle est fille de Pandore. Pandore, pour beaucoup de Grecs, dans les mythes grecs, Pandore, c'est l'ancêtre de toutes les femmes, celle qui est à l'origine de la catégorie des femmes, et hop, on fait une catégorie des femmes, et qui est l'image même de l'épouse, celle qu'on décore et qui va être donnée en mariage à l'origine de l'humanité, envoyée par Zeus pour devenir... l'épouse des hommes qui ont d'un homme d'abord, puis des hommes, et donc elle devient l'ancêtre de la race des femmes. Pour autant dire que la race des femmes, ce sont des épouses. Elles doivent tous être des épouses. Et Artémise, elle l'est également. Elle l'est également, mais en même temps, elle incarne aussi pour les Grecs autre chose. Et là, je vous ai mis la citation d'Aristophane. Dans Lysistrata, une comédie qu'il a écrite vers 411, donc on est déjà, vous voyez, 70 ans après la bataille, 70 ans, en même temps, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Les gens connaissent encore, on raconte les histoires, ça nous montre qu'à Athènes, Artémise, elle était connue. Le cœur des Athéniens, alors Lysistrata, c'est une comédie où les femmes se retrouvent sur l'acropole parce qu'elles veulent arrêter la guerre. On est en pleine guerre du Péloponnèse, donc c'est entre les Athéniens et les Spartiates, et plus encore, mais bon, voilà, pour simplifier. Les femmes veulent arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, elles font grève du sexe, etc. Elles s'emparent de l'acropole où il y a le trésor de guerre. Elles interdisent, voilà, elles se refusent à leurs époux. Elles disent, on reprendra que quand vous aurez jeté les armes. Elles font venir les femmes de toute la Grèce. Et le cœur, alors ce sont des hommes, qui disent attention, il ne faut pas leur céder. Si les Athéniens cèdent aux femmes révoltées, elles iront jusqu'à combattre sur mer et fondre sur nous comme Artémise. Donc, vous voyez, 70 ans après, Artémise est un personnage en fait qui reste dans la populaire à Athènes, puisqu'on n'a pas besoin d'expliciter davantage. Hein, Aristophane, le public sait très bien de quoi on parle. Sur mer, Salamine, fondre sur nous comme Artémise. Et il continue, parce que c'est quand même de la comédie, hein, et Aristophane s'amuse. C'est pour ça que c'est très difficile de savoir quel est le point de vue d'Aristophane. Hein, il est sans cesse en train de nous surprendre. Pour la cavalcade et la monte, il n'y a rien de plus doué qu'une femme. Donc évidemment, il y a la connotation sexuelle, mais la cavalcade, il y a une autre connotation, c'est le cheval, et donc c'est l'Amazone. C'est-à-dire qu'on voit qu'Artémise, elle est aussi perçue, elle est sur son bateau, mais sur son bateau, elle est aussi perçue comme une Amazone, pleine d'Andrea, de courage, qui défie les Athéniens, qui défie les Grecs, et qui remporte la bataille sur eux, parfois éventuellement. Et ça, ça fait donc écho pour les Athéniens à ce mythe des Amazones, où on les voit ici, à cheval, habillées à la manière scythe, c'est-à-dire étrangère. Scythe, c'est le bord de la mer Noire, on a des Grecs qui sont installés là-bas, il y a des informations qui circulent, effectivement, il y a des femmes qui montent à cheval, ça c'est sûr. Et donc, on a une connotation donc, d'étrangère qui convient aussi à Artémise, puisqu'Artémise, elle vient d'une cité grecque où on parle le dorien. Et du coup, dans d'autres pièces, chez Euripide, par exemple, il fait intervenir Artémise en l'appelant Artamouchia, donc en déformant son nom, pour lui donner une résonance dorienne et perse.
le fait qu'elle soit dans une cité grecque où on parle le dorien, le fait qu'elle soit dans une cité grecque qui est dans l'Empire perse, tout ça, le fait qu'elle va incarner aussi la figure de l'autre dans certains contextes, donc d'une Amazone. Mais elle reste bien grecque pourtant. Et voilà comment est-ce que la guerre de l'Amazone contre les Athéniens. Alors, quand on enquête sur Artémise, donc on doit se rendre à Halicarnasse. Alors, Halicarnasse, donc cette cité aujourd'hui, c'est Bodrum, grande station touristique, où Bodrum, donc au bord de l'Égée. Donc là, on a le nord qui est en face avec la montagne. Et puis, ce port avec aujourd'hui, c'est une ville urbanisée ici, mais avec un dégagement au centre, dans cet espace central, qui est dégagé sur le niveau du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, malheureusement, le niveau au-dessus du niveau d'Artémise. Artémise, c'est un peu en dessous, sous la terre. Pardon. C'est-à-dire que là, on est en fait le niveau qui a intéressé les archéologues, et ensuite le tourisme, etc., mais les archéologues, c'est le niveau du 4e siècle, qui est le niveau de la dynastie suivante, pas celle d'Artémise, mais celle d'après, du 4e siècle, c'est la dynastie de, je l'ai écrit peut-être, oui, des Hécatomnides, ici, au 4e siècle. Voilà, et nous, on était au 5e siècle avec Artémise. Donc, vous voyez, ça va être un peu plus compliqué de retrouver le niveau de la ville à l'époque d'Artémise, mais néanmoins, on a des choses très intéressantes. Alors là, on a l'agora et on a le mausolée. Le mausolée, puisqu'à Halicarnasse, c'est la cité où a été édifiée une de ces sept merveilles du monde qu'on appelle le mausolée à l'époque hellénistique et impériale. Et le mausolée, c'est le tombeau qui a été édifié en l'honneur du roi Mausole, dynastie des Hécatomnides, édifié à la mort de Mausole, donc on est en 353, par son épouse, sa sœur épouse, qui s'appelle Artémise, elle aussi. Donc Artémise II. Autrement dit, le nom d'Artémise est un nom, d'abord un nom local, ça c'est vrai, j'ai pu faire l'enquête pour voir sur tous les noms qu'on connaissait dans la région et dans le monde grec en général. Artémise, c'est vraiment un nom de cette région-là, qu'on appelle non pas l'Ionie sur la côte d'Asie mineure, mais juste en dessous, on l'appelle la Carie. La Carie, donc c'est vraiment un nom de cette région de Carie, notamment de la région d'Halicarnasse. Et la dynastie des Hécatomnides, c'est une dynastie qui vient de l'intérieur des terres, un petit peu plus au nord, et qui utilise le même stock de noms que celui des Lygdamides qui a précédé. Et les fouilles du mausolée, on a retrouvé ce vase en albâtre, qui est un petit vase à parfum, qui a été réalisé à Suse, donc au cœur de l'Empire perse, et qui porte ici une inscription avec un cartouche en écriture cunéiforme et hiéroglyphique, la signature « Le grand roi Xerxès ». Et ce petit vase, il a été trouvé justement dans le centre ici, sous le mausolée. Donc autrement dit, est-ce que c'est un vase qui était dans le niveau en dessous qui a été mis à jour ? Est-ce que c'est un vase qui a été conservé et installé à cet endroit très précieux par la dynastie suivante qui voulait perpétuer la mémoire d'Artémise et le lien avec le grand roi, 4e siècle, on est encore sous l'Empire perse à ce moment-là, Alexandre n'a pas encore conquis, donc on est encore sous l'Empire des successeurs de Xerxès, l'Empire achéménide. En tout cas, voilà le cadre de l'Artémise et voilà le mausolée, la maquette, puisqu'il a disparu, il a été totalement détruit, la maquette de ce mausolée qui nous intéresse pour une raison, vous allez voir. Donc ce mausolée, il est attribué donc pour le roi, voilà, une statue qui a été attribuée par les archéologues à Mausole. C'est un peu une statue portrait, vous voyez, c'est une statue pour le 4e siècle, c'est pas une statue grecque typique. Elle a un côté avec sa moustache, les cheveux longs, qui est un petit peu différente, et donc qui probablement plus portraitise en fait l'individu, même si c'est pas Mausole. Et cette femme dont le visage est complètement cassé, enfin il n'y a plus rien, cette femme donc qui est considérée comme étant l'épouse, la sœur épouse de Mausole, Artémise, Artémise II, pas la mienne. Mais le mausolée, donc ils sont tous les deux probablement sur le char, tout en haut, et là vous avez des colonnades, et entre les colonnes, vous avez des statues sur les quatre côtés du mausolée. Et donc l'analyse faite par les archéologues, c'est
de penser que vous allez avoir à la fois la dynastie des Hécatomnies du IVe siècle, un homme, une femme, un homme, une femme. Donc les femmes ont autant de place dans la valorisation au centre de la cité que les hommes. En tant que dynastes, elles règnent avec leurs époux, leurs frères époux, les Hécatomnides. Et de l'autre côté, côté sud, puisque le nord, on le voit de la grande route principale, côté sud, la dynastie qui est portraiturée, on peut dire comme ça, c'est la dynastie des Lygdamides. Lygdamis, c'est le père d'Artémise de Salamine. Lygdamis, son père, qui a dû être dynaste avant Artémise, avec probablement donc l'épouse de Lygdamis, peut-être Cressa, son nom, ensuite Artémise et son époux, qui s'appelait peut-être, alors peut-être, Mausole, parce qu'il y a des sources qui le disent déjà, et ensuite le fils d'Artémise, Pisindélis, sa femme, et le petit-fils d'Artémise, de nouveau Lygdamis et sa femme, que Hérodote a connu puisqu'il est parti en exil à Samos, sa famille, au moment du règne de Lygdamis, le petit-fils d'Artémise. Donc on a là, en fait, la mémoire de cette femme qui serait cultivée à Halicarnasse au IVe siècle par une dynastie connue, mieux connue, on dirait même, que celle d'Artémise de Salamine, et qui montre qu'elle était valorisée et qu'en fait, elle était populaire aussi sur place et c'était une grande figure locale. Ça, c'était très intéressant. Alors, du coup, dans la région, on s'aperçoit, en faisant l'enquête maintenant sur Halicarnasse et sur la région d'Halicarnasse, que dans cette région qu'on appelle l'Acarie, et donc qui est, on va trouver des femmes en situation d'autorité, des reines, comme Artémise. Et donc Artémise devient beaucoup plus ordinaire, finalement, l'Artémise de Salamine, pas une exception du tout. On a, alors c'est un peu après, mais on en avait avant, enfin là je vous parle d'après. Ici par exemple, on voit la forteresse, c'est une photo, j'en ai d'autres, de cette cité qui s'appelle Alinda, qui est la cité forteresse qui a été réalisée, construite ou renforcée par Ada, alliée d'Alexandre le Grand, au moment de la conquête d'Halicarnasse. Et Ada, c'est la petite sœur de Mausole et d'Artémise II, qui a été évincée du trône par son petit frère Pixodaros. Je vous passe les détails. Toute une histoire de querelle dynastique. Voilà, elle est la fille. Ça c'est Ada II. Et elle participe, Ada, cette fois-ci en guerre de siège avec des troupes terrestres, au siège d'Halicarnasse en 333, contre sa nièce Ada II et l'époux de sa nièce Orontobates. Donc on voit d'autres femmes, quand on commence à chercher, quand on commence à s'intéresser à ces genres de parcours, au parcours d'Artémise, eh bien finalement on tire le fil et on en trouve d'autres. On en trouve d'autres qui ont eu des activités absolument... En fait, c'est assez étonnant de se dire qu'on n'en a pas parlé, pourtant Strabon en parle, Diodore en parle. Voilà, ça c'est un peu étonnant. Toujours la forteresse d'Alinda. Et alors, ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que cette région est une région où on est vraiment dans des régions de pratiques culturelles grecques, avec des gens qui sont aussi des cariens dans l'intérieur des terres, c'est-à-dire qu'ils parlent aussi une autre langue. La langue carienne, c'est une autre langue que le grec. Et donc les Grecs qu'on a vus dans la première diapositive, qui sont le long de la côte, Ionie, Carie, je vous ai montré Halicarnasse, sur la côte, on est vraiment sur les colonies grecques. Halicarnasse a été fondée par des gens du Péloponnèse. On est sur cette... Et bien, dès qu'on est à l'intérieur, en fait, il y a un mélange, il y a une sorte de mixité culturelle qui se crée avec la population qui habite dans l'arrière-pays, ici les cariens. Les cariens qui parlent le carien, mais qui vont avoir des pratiques grecques. Les noms dans les familles se mélangent. Hérodote, nom grec, son père s'appelle Luxès, nom carien. Artémise, son père s'appelle Lygdamis, je vous l'ai dit, nom carien. Donc, en fait, on a comme ça des hybridations culturelles, je ne sais pas comment il faut dire, qui se notent dans le paysage. Voilà, la Carie, c'est cette région. Donc, on a Halicarnasse ici, cité grecque. Son père est une cité régie par des institutions à la grecque. Et puis, on a Seigneurie Milaza. Je vous ai parlé de Alinda, c'est ici. Je vais vous montrer Alabanda aussi, et Iasos, cité grecque ici, Milet,
voyez, on a toutes ces cités qui, finalement, on avait l'habitude, je vais dire au passé, hein, c'est quand même mieux, on avait l'habitude de dissocier totalement les cités du littoral grec, colonie grecque, de l'arrière-pays qu'on disait barbare, parlant pas grec. On s'aperçoit en réalité que dans les cités grecques, on a des individus comme Hérodote, comme Arthénise, qui ont des connexions en fait cariennes, et à l'intérieur des terres, on a des cités qui utilisent le grec. Là, on est à Labronda, grand sanctuaire carien de l'arrière-pays, où on a une inscription en grec en l'honneur justement de Artémise et de Mausole. Et on a un grand sanctuaire de Zeus. Donc on a en fait vraiment des échanges qui sont très forts. Et ces gens-là sont hellénophones, ils utilisent le grec, en tout cas pour l'administration, pour la politique, beaucoup, pour les décrets honorifiques, ils utilisent le grec. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec Artémise, c'est que du coup, on se déplace depuis un... On avait l'habitude d'avoir un point de vue très athénocentré. Je vous ai parlé d'Eschyle, les Perses, enfants de la patrie, libérer la terre, là. On était très point de vue athénien. Et là, quand on part du côté d'Artémise, on a un point de vue toujours grec, mais qui n'est plus athénocentré. Un point de vue qui est d'Asie mineure, donc des côtes de l'Égée, toujours hellénophone, mais qui vit dans ces régions de contact et qui caractérise en réalité beaucoup le monde grec. Hein. Ici, voilà, on est à Marseille, on est dans ces régions de contact. La mer Noire, on est dans les régions de contact. Cyrène, en Afrique du Nord, on est dans les régions de contact. Et on va trouver des hellénophones et cette culture donc, qui se répand partout sur les rivages. Ici, on est à Iasos, donc cité grecque, toujours sur le littoral, avec le port de Iasos, où on va trouver aussi une inscription en l'honneur de Abba, une autre reine, Abba, fille d'Issaldomos. Elle et Issaldomos, elle est probablement la mère de Mausole et d'Artémise II. On est au IVe siècle, hein, ici. Et là, une inscription aussi en l'honneur des rois dont je vous ai parlé, Catomide. Donc tout ça en grec. Voilà. Et tout ça dans un environnement tout à fait à la grecque. Ici, on est dans l'Odéon, sur l'Agora, où on va trouver des inscriptions en l'honneur des rois et des reines, des rois et des reines, je dis bien et des reines, hein, qui sont honorés de la même manière dans ces cités grecques. Alors, qu'est-ce que ça dit du coup de... J'ai fait l'enquête sur Artémise, sa manière dont elle était reçue, perçue, gloire locale, etc. Je vous passe tous les détails hein, sur la manière dont son nom est repris, Mausole, etc. Et du coup, après, la question, c'était de me dire, mais qu'est-ce que ça nous dit de ce qui était possible pour des femmes maintenant plus ordinaires? Qu'est-ce que ça nous dit de la finalement, puisque elle était bien perçue dans cet environnement-là, est-ce que c'était possible aussi pour d'autres femmes qui n'étaient pas des dynastes? Alors là, petit clin d'œil, on en a parlé il y a 2 mois, mais ce petit monument on n'est pas loin, on est à Samos, hein, on est juste sur une île qui est un petit peu au nord d'Halicarnasse, tout près de la côte, où on trouve dans le sanctuaire d'Héra, les Rayones, on va trouver un monument. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est un monument qui date du VIe siècle. Donc, on est bien avant, parce que j'ai dû aller vers le IVe, après Artémise. Et là, je viens avant, au VIe siècle, pour voir que non seulement elle n'a pas été une pionnière, non, bien avant déjà, il y avait des femmes en position d'autorité dans les cités. Elle n'a pas été la première. Et là, alors c'est pas du tout la même chose, on est dans un autre contexte, mais on voit que la configuration familiale ici, d'une famille bien en vue, on est à l'entrée du sanctuaire avec un sculpteur connu qui va signer son œuvre, il s'appelle Guénéléos. Il va signer ici sur la banquette, il va signer 2 Guénéléos, et il va représenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages, donc il n'en reste plus que 4 morceaux même de personnages, pas tous entiers. 6 personnages qui sont une famille avec un homme sur la banquette ici qui est bien gras en fait, hein, il est bien rond en fait, c'est un banqueteur. Il est appuyé sur des coussins donc dans le luxe du banquet, donc c'est pas du tout l'Andrea au sens du héros à moitié nu, héroïque, avec son arme, son épée, non, pas du tout. Et il a probablement une coupe à la main, il est bien vêtu et de l'autre côté, une femme dont le nom est inscrit au pied du trône, qui s'appelle Philéa, et qui est trônante
Donc c'est vraiment le trône, l'emblème de l'autorité qui peut être l'autorité dynastique ou l'autorité familiale ou l'autorité divine dans un sanctuaire. Hein, tout est possible, mais c'est vraiment une marque d'autorité. Et puis au centre, donc une personne perdue, une autre perdue, et là deux jeunes filles. Les archéologues ont restitué en fait un jeune homme et une autre jeune fille et donnent ce dessin donc de ce groupe probablement familial où les individus portent des noms. Ils sont tous nommés Ornité, Philippe, c'est les filles, les deux filles, Philia, la mère, et le père. Je ne crois pas qu'on ait le nom du père. On n'a pas l'inscription ne mentionne pas le nom du père. Et donc du coup après voilà, à partir d'Artémise, l'enquête sur elle, finalement, c'est aussi une enquête sur les sœurs d'Artémise ou ses compagnes. Qu'est-ce qui était possible pour les autres femmes de l'environnement d'Artémise ? Et donc, c'est cette enquête sur des femmes en situation et position d'autorité. Et ce genre de petites figurines, vous en trouvez partout. Alors, parfois, on nous dit déesse mère ou déesse, on n'en sait rien en fait, hein, donc des femmes en position voilà, sur des trônes, il y en a beaucoup. Et ça, c'est des petites statues que j'ai pris en photo au musée d'Athènes. Et on va trouver parmi ces sœurs d'Artémise aussi des femmes qui ont eu des positions d'autorité dans les cités, donc non seulement en Asie mineure, mais aussi à Athènes. Non seulement au 4e siècle ou au 5e siècle, mais aussi au 6e siècle avant, et au 3e siècle, et au 2e siècle. Et donc là, on peut ouvrir vraiment le champ de l'enquête sur des femmes qui ont été chefs ou chefs dans des cités, magistrates. Il y a eu des magistrates, en tout cas, qui portaient le nom de archontesse, hein, le féminin d'archonte, et dont les fonctions, en revanche, sont difficiles à déterminer, mais comme elles le sont difficiles aussi pour les archontes de l'époque, hein, de cette époque impériale. Ici, c'est une stèle funéraire en l'honneur d'une femme médecin, Iatrinée, donc qui s'appelle Moussa, et qui a été retrouvée à Byzance. Et elle est seule, elle est indiquée seule, hein, elle n'a pas besoin d'avoir un père, un mari, etc., pour la présenter. Et donc, c'est cette histoire-là aussi, après, qui m'intéressait, c'était de montrer finalement, Artémise, on connaît le nom de son père, on ne connaît pas le nom de son mari, hein, faut chercher des déductions, peut-être un mausole. On connaît probablement le nom de son fils, Pisindélis, mais son petit-fils certainement, parce qu'on a une inscription d'Halicarnasse qui parle de son petit-fils. Et donc, c'est une enquête aussi sur la capacité d'action de ces femmes dans ce monde grec qu'on décrit tellement comme un monde misogyne ou qui mettrait les femmes à l'écart ou qui les discriminerait. Et là, ce qui m'intéressait de voir aussi, c'est que ces femmes, elles agissaient avec des fonctions qui leur étaient propres. Elles avaient des titres, des fonctions. Elles agissaient en tant que, pour une dynaste en tout cas, et une chef de flotte. Voilà. Je vous remercie. Et maintenant, je vous propose de répondre à vos questions. Alors, avant de passer aux questions, j'ai juste... À la boutique a été trouvé un petit des papiers certificats d'immatriculation. Voilà. Oui. Merci. Oui, bonjour. Est-ce qu'on a une idée de l'éducation que recevaient ces femmes, s'il vous plaît ? Alors, pour l'éducation, on a quelques vases qui montrent des sortes de maîtresses avec des jeunes filles en face, mais c'est à ce moment-là une éducation musicale ou peut-être de poèmes qu'on lit, donc une éducation poétique et musicale, probablement, très certainement. Pour l'éducation littéraire ou apprendre à écrire, à lire, etc., il faut plutôt se tourner vers les papyrus de l'époque hellénistique en Égypte, où on a des mentions de filles dont on voit qu'elles apprennent à lire, à écrire, etc. Pour la période, pour Halicarnasse, j'ai aucune information sur l'éducation. On n'en a aucune. On travaille vraiment sur des éléments très disparates. Donc, on a, je vous dis, pour l'éducation, on a des éléments dans l'Égypte ptolémaïque, donc hellénistique. On a Sappho, bien sûr, à l'époque archaïque, mais c'est pareil, c'est un spot, hein,
où on sait que là, elle avait probablement une école aussi poétique, avec des chœurs de jeunes filles. On apprenait, on récitait, on dansait, tout ça. Donc, elles étaient éduquées. On a Alcman à Sparte, aussi au VIe siècle. Donc, un poète qui fait chanter et qui fait donc réciter des poèmes et donc qui leur apprend l'épopée, les mythes, etc. aux jeunes filles. Mais on n'a pas de, on ne peut pas parler d'institution. En fait, on ne connaît pas ce qui serait comparable à des écoles. On connaît l'existence du pédagogue pour les petits garçons, par Platon, par exemple, dans Le Banquet. À chaque fois qu'on voit ce terme apparaître, c'est pour des garçons. On ne le voit pas, mais peut-être des effets de source aussi. Ah oui, par rapport à la flotte, techniquement, ce qu'on sait, c'est que les Cariens et les Ioniens, c'est-à-dire, et là, les sources les associent tous les deux, il n'y a pas de question ethnique, les Ioniens et les Cariens sont réputés dans l'Antiquité, à cette époque-là et avant, pour être des très bons marins. Donc, une technique comme tout, en fait, tous les arts techniques qui se transmettent dans famille, hein, de père en fils, de père en fille, probablement ici en l'occurrence. Et voilà, c'est la réputation de très bons marins, voire de pirates, et aussi la réputation de fabricants d'armes. Et donc, ce sont les Cariens et les Ioniens qui sont partis en Égypte, qui ont été enrôlés par Psamétique au VIe siècle pour combattre des armées. Donc, c'est ça, on le sait par Hérodote déjà. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Psamétique, c'est intéressant, il a demandé à ces Cariens et ces Ioniens de devenir les maîtres d'école pour les Égyptiens et de leur apprendre le grec. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Cariens ont donc appris le grec aux Égyptiens. Ce n'est pas uniquement les Ioniens. Les Ioniens et les Cariens ont appris le grec aux Égyptiens. Et les Cariens, et donc cette région, et moi, je ne peux pas dire Artémis, vous avez compris, je ne peux pas vous dire elle est purement grecque ou purement carienne. Non, très probablement, elle n'est pas purement carienne. Elle n'est pas, probablement, tout ça, c'est mélangé. Hein, c'est des gens qui se marient entre eux. Ce qu'on sait aussi, c'est que les Cariens, en tout cas les gens de cette région-là, étaient très souvent, enfin c'était eux qui sont toujours nommés comme des interprètes dans les armées des grands rois ou même les armées grecques. C'est eux qui vont faire les interprètes pour l'araméen, pour le perse, pour le grec évidemment. Voilà. J'ai du mal à comprendre comment des gens qui sont sous le patronage d'une déesse qui représente la stratégie martiale puissent être aussi sexistes, finalement. Enfin, je suis désolée, c'est très naïf. C'est très naïf, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre, en fait. Oui, oui, non, mais vous avez raison. C'est une question qui tourmente tout le monde. Hein. On a tous la même question. Et même Aristophane, il dit à un moment, mais enfin... comment les Athéniens, ils sont sous les ordres d'une femme, d'une déesse, d'une femme. Comment c'est possible ? Et il faut bien distinguer. D'abord, Athéna, elle n'est pas toute seule. Elle fait partie d'un système polythéiste. Et c'est la fille de Zeus. Le plus important, c'est que c'est la fille de Zeus. Ouais. Alors, au-dessus d'elle, il y a quand même Zeus. Et quand elle agit aussi pour Zeus. Donc, et sur l'Acropole, bien sûr, il y a les temples pour Athéna, mais derrière, tout au fond, c'est l'autel de Zeus. Donc, il y a ce polythéisme. Et en même temps, ça nous montre, et ça, c'est bon, moi, je trouve, dans ma perspective à moi, c'est hyper intéressant. Ça montre aussi que, finalement, ces fonctions-là sont partagées, quel que soit le genre. Je dis le genre, parce qu'on ne parle pas de sexe pour des divinités. Hein, donc, ça veut dire qu'en fait, des déesses et des dieux ont des compétences sur des domaines qui ne sont pas a priori attendus pour une déesse d'une femme. Voilà, la guerre, c'est une compétence sur laquelle on n'attend pas des femmes, mais par contre, une déesse, il y a toute sa place. Et donc, ça nous montre un peu la gymnastique et la souplesse d'esprit des anciens sur la question du genre, des catégories de genre, que nous, on a trop souvent tendance à les rendre un peu raides, un peu rigides. Hein, la guerre, les hommes, masculins, blablabla. Bah, non, bah, chez eux, grâce aussi à cet imaginaire et à ce divin, finalement, la guerre, elle peut aussi avoir un visage de femme, mais un visage de femme martial. Et voilà. Mais ils ont aussi Zeus, etc. Mais néanmoins, oui, effectivement, ils sont absolument. Enfin, ils sont dans le discours officiel qu'Hérodote relaie, et dans certains, parce que Aristophane, il est beaucoup plus, il joue avec ça. C'est pas pareil.
le sexisme d'Aristophane, on ne sait pas trop en fait s'il est sexiste ou s'il se moque des sexistes. C'est plus difficile à saisir. Et donc, il faut faire attention aussi au discours officiel, qui effectivement paraît très sexiste, voilà, les femmes à leur place, les normes, et puis quel crédit donner à ces stéréotypes. C'est plus ouvert. C'est comme nous. Enfin, je veux dire, après, les stéréotypes, ils existent et on les combat et on n'en veut pas. Mais en même temps, tout le monde ne les prend pas au premier degré. C'est-à-dire, et donc voilà, c'était aussi ça que je voulais voir. C'était ces strates de discours qui parfois nous paraissent complètement contradictoires, en contradiction en tout cas, qui coexistent et qui nous disent aussi de la richesse en fait, des perceptions et des places des uns et des autres, hein, des hommes et des femmes, dans l'Antiquité. Beaucoup moins schématique que ce que moi j'avais en tête au cas au départ et ce qu'en général on a en tête. Qui donc ? Eh bien, et comme Thémistocle, c'est une exception. Comme Socrate, c'est une exception. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, à ce moment-là, la question de l'exception, c'est ces gens qui ont été portés en épingle par des auteurs qui ont montré tout l'intérêt de leur action et qui en ont fait des personnages historiques et donc des exceptions. Mais justement, à ce moment-là, Artémis n'est pas plus une exception que Périclès. C'est ça que je veux dire. Après, l'intérêt quand on travaille en histoire des femmes, c'est justement de dépasser le stade de « c'est une exception » pour se dire « mais finalement, elle a existé ». Alors, qu'est-ce qui était possible pour qu'elle puisse exister de cette manière-là ? Qu'est-ce qui l'a rendue possible ? Et là, on va retrouver une Artémis plus ordinaire, moins exceptionnelle, parce qu'on va se débarrasser de ce récit épique un peu d'Hérodote. On va s'apercevoir « ah ben non, il y en a d'autres ». En fait, ce qui la rend ordinaire, c'est le cadre dynastique. Elle vit dans une cité organisée avec un cadre dynastique. Et donc, dans une dynastie, les filles, on le sait pour l'époque moderne, hein, on le sait, les royautés, on connaît ça, notre Élisabeth II, la nôtre, pas la nôtre, mais bon, on sait qu'il y a des logiques dynastiques qui ne rendent les filles, les princesses, non exceptionnelles. C'est leur place, elles sont à leur place. C'est normal, ce cadre-là. Voilà. Oui, j'ai une question qui enchaîne un peu celle d'avant sur Athéna, qui est l'intelligence guerrière par rapport à Arès, qui est la force brutale. Hein. Et là, il y a une certaine intelligence dans la conduite d'Artémis dans la bataille. Mais en même temps, donc, je dirais qu'il y a une ruse qu'elle emploie. Mais en même temps, cette ruse, si j'ai bien compris l'histoire, c'est de se retourner contre son propre camp pour sauver sa peau. Ouais. Et par rapport à ça, j'ai un petit problème de valeur, moi. Alors, par rapport à la ruse qui est mise en évidence chez Ulysse, par exemple, ouais, aussi, hein, Homère, mais où la ruse d'Ulysse, c'est pour faire gagner les Grecs, ouais, ou bien c'est pour sauver la peau de ses compagnons. Ouais. Donc là, comment les anciens interprétaient cette... Parce que voilà, moi, ça me paraît, oui, assez peu héroïque, finalement. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure héroïsme, et vous allez peut-être me dire que non. Je vous ai dit... Voilà, effectivement, c'est complètement... Je pense qu'il faut prendre ce texte avec beaucoup de légèreté, en fait. Il ne faut pas trop le prendre au sérieux. C'est-à-dire que ce qu'il montre, c'est effectivement, elle est déloyale à fond. Elle est vraiment déloyale. Ce n'est pas du tout les valeurs du héros grec. Et en même temps, comme vous l'avez dit, elle a cette intelligence de la survie qui la rend admirable dans sa manière de voir, d'être lucide et de sauver sa peau, quelle que soit la manière. Et là, ce n'est pas Athéna, c'est plutôt Artémis, la déesse Artémis, qui intervient dans les situations extrêmes de catastrophe et qui tout d'un coup va enfumer un peu tout le monde et hop, c'est va sortir le héros du coin. Je pense que comment les gens prenaient cette histoire où, alors moi j'ai une interprétation que je décris dans le livre. Je pense aussi que Hérodote, hein, alors Hérodote, il vient d'Halicarnasse. Hérodote, à l'époque où il écrit, où il parle, où il raconte ses histoires, il faut voir que Athènes est une cité très très méchante. C'est la cité dominante qui assassine les cités alliées à coups de tribus, donc qui fait payer très cher pour faire construire son acropole, les grands travaux, etc., pour armer sa propre flotte et pour empêcher les cités de l'Alliance de s'émanciper. Donc Thucydide explique tout ça et dit qu'elles deviennent des sujets. En fait, Athènes a transformé ses alliés en sujets. Et donc il y a un problème à l'époque où Hérodote raconte ses histoires de relations vis-à-vis de cette cité Athènes
qui certes a gagné cette extraordinaire deuxième guerre médique, vraiment a été, comme dit Hérodote, c'était les sauveurs de la Grèce, les Athéniens. Ils ont été les sauveurs de la Grèce. Néanmoins, ça les a amenés à quoi ? À devenir les tyrans des cités grecques. Et je pense que du coup, il y a un côté un peu une forme de moquerie contre Athènes, parce que les Athéniens, ils se sont quand même fait bien avoir. Ils avaient mis à la capture à prix d'Artémise et elle leur a échappé, et bien. Et là, je pense que derrière, il y a une forme de hey, regardez un peu ce qu'elle fait, cette femme qui vient d'Halicarnasse, comment elle vous a eu. Et en même temps, cette espèce de dérision, de légèreté, elle tue quelqu'un de son propre camp. Ben oui, mais parce qu'en même temps, ce sont des Perses, tout ça, c'est l'Empire perse, elle n'est pas non plus. Elle est libre. Elle apparaît dans une sorte d'autonomie totale, de liberté individuelle, c'est un peu un grand mot, mais de liberté totale qui lui confère justement ce côté un peu héroïque, solitaire. Il ne faut pas y chercher une valeur collective, pas du tout, pas du tout. Mais parce qu'on est aussi dans une cité où cette femme, elle ne représente pas non plus, franchement, là on retrouve la majorité des gens, au pouvoir c'est pas des femmes. Donc elle est aussi dans sa propre carte, elle est aussi un indice, un signe de la manière dont les femmes se rendent dans l'histoire aussi, et dont la grande histoire qui se passe autour, qui est la grande histoire qui a intéressé plus tard, etc., et tous les historiens. La bataille de Salamine, c'est Thémistocle, après c'est Périclès, etc. Elles ne sont pas dans ce récit-là. Voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait, mais en tout cas, oui, c'est tout à fait juste. Elle est pas du tout honorable. Plutarque ne veut absolument pas qu'on parle d'elle. Il dit, il faut l'oublier, cette femme. Et je ne comprends pas. Il dit, Hérodote, arrêtez de lire Hérodote. C'est vraiment, il vous met des mauvaises idées dans la tête. Il vous parle, au lieu de parler de Salamine et des grands et des Thémistocles, il vous parle de cette femme. Mais on n'a aucun intérêt à cette femme. Elle ne nous dit rien de la grandeur des Athéniens. Voilà, c'est ça qu'elle dit, rien de la grandeur des Athéniens. Oui. À la base. Donc il a plutôt intérêt à écrire une histoire positive à propos d'une héroïne d'Halicarnasse. Oui, alors ça, c'est un argument que Plutarque utilise pour dire, voilà, Hérodote, il vient d'Halicarnasse, c'est en fait l'esprit de clocher, quoi. Il favorise quelqu'un de chez lui. Ok, mais en même temps, ça reste hyper intéressant. Ça n'affaiblit pas, en fait, le regard porté sur elle. Ça nous montre qu'effectivement qu'il y a différents points de vue, qu'on pouvait être d'Athènes ou qu'on pouvait être d'Halicarnasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, c'est adopter le point de vue des Athéniens. Dire, ah non, mais moi, ça, en fait, il vient d'Halicarnasse, il raconte ça sur sa compatriote, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, ben, enfin, si, pourquoi ? Et si moi, je vous raconte, je ne sais pas, moi, je prends un autre exemple, la colonisation du point de vue des colonisés, c'est aussi intéressant, même si je suis... Donc, vous voyez, en fait, c'est quand même l'idée de changer de regard. Alors, Hérodote, il participe... Et puis, voilà, donc c'est vrai que ça a été utilisé aussi comme argument, mais je pense que ça a toute sa pertinence, que justement, quelqu'un qui vienne d'une autre cité raconte cette histoire. Certes, ça met en valeur quelqu'un de chez lui, bon, ok, il valorise sa cité en passant, pourquoi pas, très bien, bon, on peut lui laisser ça quand même. Je veux dire que Thucydide valorise aussi Athènes, on lui en fait pas grief, donc c'est des points de vue différents en fait qui existent dans les récits qui nous sont parvenus. Oui. Oui. À propos, bon, vous avez parlé de Jupiter, de Zeus à propos d'Athéna, mais enfin, il y a un autre personnage féminin qui est robuste, c'est Hera. Oui, alors Hera, moi, je trouve ça, donc je l'utilise aussi un petit peu, parce que Hera, c'est la figure de la souveraineté, précisément. Et du coup, Hera et Zeus, c'est vraiment le couple, le pouvoir royal. C'est ça la fonction d'Hera avec Zeus. Et du coup, ça va tout à fait dans le sens de ce que je voudrais démontrer, et ce que je démontre, c'est que cette image de souveraineté mixte avec un roi, une reine, un dynaste, une dynaste, c'est quelque chose qui était déjà là dans l'imaginaire des Grecs. Ça fait partie. Le polythéisme, il est présent tout le temps. Et cet imaginaire, il est déjà là. Et donc, ce n'est pas si extraordinaire que ça pour eux de voir une femme souveraine.
Et Pénélope, Clytemnestre, toutes ces figures-là, après, on peut contester leur manière d'être reine. Hein. On peut dire Pénélope, ouais, super, et puis Clytemnestre, pas du tout, elle a assassiné son mari, ça va pas. Mais en même temps, personne chez les Grecs ne met en doute, en cause leur existence en tant que reine, leur fonction. Leur fonction, c'est normal. Et donc, Artémise devient moins exceptionnelle quand on se replace aussi dans ce cadre-là, où, et là, vous voyez, on remonte dans le temps. Alors, le politisme, il est partout, mais on l'a dans l'épopée, hein, Héra, on l'a dans l'épopée. On a ces figures, donc je viens de parler de Pénélope, de Clytemnestre, on en a d'autres. Arrêtée, la reine des Phéaciens, c'est elle qui accueille Ulysse. C'est elle qui, on dit à Ulysse quand il débarque sur les vaches, tu vas aller voir la reine, arrêtez, c'est d'abord à elle que tu dois parler, c'est elle qui va te recevoir, c'est elle qui va t'introduire, et c'est elle qui lui parle, et c'est elle qui lui dit tu vas recevoir des cadeaux, donnez-lui des cadeaux, qui donne des ordres à la troupe, et le roi est présent dans la salle. Et donc on a ces figures d'autorité féminine qui sont bien présentes dans le monde grec, et c'est vrai que c'est une manière avec Artémise de placer le projecteur sur ce côté-là, qui est resté souvent bon, voilà, dans l'ombre, quand même, hein. On peut le dire. Oui. Finalement, si on replace Artémise dans le contexte de l'ouvrage, est-ce qu'il parle d'autres femmes, est-ce qu'elle est, comment dire, est-ce qu'il traite de cette femme comme d'autres femmes, est-ce qu'elle est à contre-courant par rapport à ses autres descriptions de personnages féminins? Non, alors... Hérodote, il parle relativement pas mal des femmes. Il y en a pas mal de femmes. Hein, donc, il y a des gens qui ont écrit sur la manière, toutes les femmes qui sont chez Hérodote. Et du coup, elle s'intègre en fait dans une typologie, on peut dire, de femmes dynastes qui tiennent des cités grecques. Et tout à l'heure, j'ai mentionné en Afrique du Nord, Cyrène, en Libye. Ah, voilà, il parle aussi de Phérétimée à Cyrène. Qui, elle, sa cité est attaquée, etc. Son mari est mort aussi. Du coup, son fils s'installe dans une autre cité à côté, à Barquet. Elle reste à Cyrène. Et puis, comme elle a des guerres à mener dans sa région, elle demande des troupes, une armée, aux Égyptiens. Elle demande des troupes, on lui refuse. Et puis, au roi de Sidon, etc. Jusqu'à ce qu'elle obtienne des troupes. Alors, et là aussi, c'est intéressant, parce que dans les refus, on dit, oh, c'est pas une femme, on donne pas des troupes, on donne... un fuseau et de la laine, et puis un autre finalement qui lui donne des troupes. Donc en fait, ces récits-là, ces anecdotes, souvent elles n'ont pas été tellement prises au sérieux, parce que ces histoires-là, on les a pas prises au sérieux parce qu'elles étaient un petit peu comme des anecdotes, des contes, des machins, pas sans signification. Et je trouve que voilà, ça vaut le coup de les mettre en série, et parce que ça nous dit finalement d'une présence et d'une fonction de femme. Voilà, y a elle, et puis il y en a d'autres. Hein. Y a aussi des femmes à Athènes qui résistent contre les Perses. On a tout ça, Hérodote le raconte. Ouais. Y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonne question. On trouve des femmes marins. Alors, sur les bas-reliefs, je ne vois pas. Les mosaïques non plus, mais je n'ai pas la science complète. On trouve par contre des femmes armateurs de bateaux dans les papyrus égyptiens pour l'époque hellénistique et impériale. Donc on voit qu'il y a des femmes propriétaires de bateaux et là on a des actes administratifs. Donc, qui ont des vaisseaux, qui ont ça existe. Et ça rentre plutôt dans un autre volet en fait de la recherche qui est sur la présence des femmes dans l'économie, aussi dans l'économie. Donc moi, pour Athènes et pour cette région de l'Épopée, j'en ai pas vu, j'en ai pas trouvé. Mais je travaille en fait dans un collectif et dans ce collectif, dans ce groupe, j'ai une collègue qui fait un état de ces femmes dans les papyrus comme armatrices. Donc de vaisseaux. Et moi, par contre, j'ai travaillé sur des femmes qui achetaient des terres, qui les vendaient ou des maisons à l'époque 4e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, et ça dans le bassin égéen. Donc qui louent des terres à des magistrats, donc c'est tout à fait officiel, ou qui achètent et qui vendent. Ou bien des femmes qui prêtent de l'argent, on a ces exemples-là aussi, qui prêtent de l'argent à des cités, qui se font rembourser à la banque.
et qui vont récupérer leur argent. Donc voilà, on a vraiment aussi des femmes qui interviennent dans le domaine économique en tant que capitaine de vaisseau, comme ça, avec une fonction qui rentre vraiment dans la taxinomie, enfin vraiment des fonctions de la guerre, un grade en fait, un commandement reconnu comme tel, on n'en a pas. Et là, je vous assure, elle a existé, elle a eu ce rôle-là. Après, qu'elle ait accompli ce geste incroyable, on n'en sait rien. Personne n'est réchappé de la mer pour le dire, comme dit Hérodote. Donc, voilà. Oui ? Ouais, c'est la dernière, effectivement, grecque, puisqu'elle est macédonienne, hein, donc c'est bien une grecque. Alors, je pense, moi, je dirais oui, parce que je serais dans ce domaine de l'antiquité grecque avant la domination totale, hein, de l'Empire romain. Mais je pense que s'il y avait des spécialistes de Byzance, ils ne seraient pas d'accord, parce que l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient, qui est devenu Byzance, pour eux, il y a une continuité, en fait, de l'Antiquité grecque. Et l'Empire romain n'est qu'un passage, mais il y a une vraie continuité. Donc, eux, ils ne répondraient certainement pas de cette manière-là. Mais moi, oui, peut-être, oui. Oui ? Jamais vu. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, Démosthène, par exemple, au 4e siècle, donc on est encore après la Ligue de Délos, hein, on est au 4e siècle, mais les Athéniens ont reconstitué une deuxième alliance maritime, bon, bref. Hein. Et à un moment, il y a des gens de Kos qui vont en ambassade à Athènes pour dire, oh là là, Athéniens, aidez-nous. Artémis II, donc vous voyez la seconde là, elle est en train de, donc elle était toute seule, Mausole était mort, elle était seule au pouvoir, elle est en train de nous attaquer et elle veut remettre le parti des aristocrates à la tête de la cité. Et nous, les démocrates, on veut résister, aidez-nous. Et Démosthène, on a la lettre de Démosthène, la harangue, où il explique qu'il est absolument intolérable qu'une femme, et qui plus est une barbare, vous voyez, c'est comme ça en fait qu'elle a été catégorisée, une femme, et qui plus est une barbare, viennent faire peur aux Athéniens. Il faut absolument que les Athéniens, là, sursaut de virilité, pour le coup, c'est ça les termes qu'il emploie, ce monde des vrais hommes, hein, face à cette situation intolérable. C'est un peu le même logique que ce qu'on a pour Artémis Ier chez Hérodote, où quand ils mettent sa capture à prix, c'est le même genre de vocabulaire, en fait, et d'argument qui est utilisé. Hein, si vous êtes des vrais hommes, ne vous laissez pas dominer par une femme qui vient sur son vaisseau. Ils ont utilisé cet argument pour Artémis II, enfin Démosthène l'utilise pour Artémis II, donc non, eux, en tout cas dans la littérature conservée du côté athénien, c'est jamais accepté qu'une femme soit à la tête d'un vaisseau, même parmi les cités alliées, c'est absolument pas accepté, non, c'est toujours des hommes. Et là, pour le coup, d'un point de vue numérique, on est bien dans une exception d'un point de vue numérique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui permet à ces cas-là de se mettre en place. Merci. Une petite information avant de passer donc signature, si vous le souhaitez. Alors demain, donc au musée, à l'auditorium, on accueille une pièce de théâtre qui s'appelle Mythes et Jupes, qui parlera du mythe d'Aphrodite et des regards portés sur le corps des femmes. Vous êtes bienvenus, on est en dimanche gratuit, la pièce est gratuite. Et mardi, donc pour la journée internationale des droits des femmes, nous sommes exceptionnellement ouverts, parce qu'en plus c'est le dernier jour de l'exposition. Et entre midi et deux, on accueille le quatuor diabélique, donc violon, violoncelle, alto. Donc c'est à 12h30, il y a un concert, donc ce sont quatre musiciennes qui mettent des compositrices à l'honneur. Le concert aura lieu en salle d'exposition temporaire. Voilà. Merci beaucoup, Violaine. Oui.